Alors, ce que je vais vous donner tout de suite, c'est un business. Non. Bonjour, vous voyez là? On voit une question. Il dit, Mika, il dit, ce qui est dommage, c'est que les gens doivent rentrer deux fois leur email pour la formation, mais sinon, bonne idée. Donc, de quoi il parle? C'est pour le tunnel de pour une formation gratuite sur l'affiliation qu'a fait Aurélien. Donc, il a fait ça, un tunnel, pour avoir une formation gratuite. Et en plus, il a fait un tunnel, mais ça, c'est que pour les affiliés, pour que eux-mêmes, donc il y a une page capture, une page merci, pour que eux-mêmes capturent des emails et ensuite sur la page merci envoient vers le tunnel d'Aurélien où il faut encore s'inscrire avec un email pour recevoir la formation gratuite. Donc Mika dit, bon, c'est dommage parce que du coup, ils vont devoir s'inscrire deux fois sur notre page capture et ensuite sur l'autre page de capture. Donc oui, c'est vrai, parce que sur la page merci, il y a un bouton pour aller vers l'autre page de capture. Donc là, on a le tunnel pour les affiliés, qui est là. Et il y a la page de capture et la page merci. Sur la page merci, on voit un texte et le bouton clic qui suit ici pour suivre la formation gratuitement. Et là, ça emmène vers la page de capture d'Aurélien, où les gens devront rentrer leur email à nouveau. Donc comment faire pour éviter ça? Pour ne pas avoir que les gens aient à rentrer leur email deux fois. Pour faire ça, le système, c'est que ils rentrent leur email dans votre page de capture et là, ils reçoivent un email dans leur boîte avec un lien pour aller voir la formation gratuite. Quand ils cliquent sur le lien, ils arrivent sur la page de capture d'Aurélien sur laquelle leur email est déjà pré-rempli dans le champ email. Donc, ils n'ont plus qu'à cliquer le bouton. Voilà. Ils n'ont pas à rentrer deux fois. Donc, c'est la façon de faire. Et ça, ce qui est bien, c'est que puisque c'est envoyé par email, ce lien, sur la page merci de notre tunnel pour affiliés, on peut faire autre chose que les envoyer sur la page de capture d'Aurélien. Là, il y a plusieurs choses à faire, donc je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais il faut garder en tête qu'il est possible de faire des choses beaucoup plus intéressantes pour soi-même que ça. Donc dans le texte, on ne dira pas, voilà, on dira, vous venez de recevoir un email. Mais en attendant, faites ceci et cela, donc des choses plus intéressantes pour nous. Et pour le faire, donc pour envoyer l'email, il faut aller dans la page de capture, dans les règles d'automatisation. Donc là, on en aura déjà mise. Par exemple, ajouter un tag au contact, l'inscrire à l'abonné à une campagne email. Mais aussi, on peut ajouter envoyer un email. Et donc, dans cet email, on le crée. Donc plus. On le crée. Voilà, on dit voilà votre formation gratuite sur l'application. Et dans voici le lien. Dans l'email, on dit donc on remet. On imagine que par exemple c'est system.io/formation-affiliation. Je crois que c'est ça en plus. Et là, on fait donc bien sûr point d'interrogation égale SA égale notre ID affilié. Mais après, on rajoute le et email égal et on voit ici variable de substitution, on a email. Donc c'est accolade, email accolade. Et si on met ça, email égal et accolade, email accolade. Tout ça, donc bien sûr, pour être sûr que ce soit un lien, on le fait en lien ici, même si on marque l'adresse, parce qu'on peut mettre tout simplement un texte. Et sélectionner texte, en faire un lien avec exactement tout ça. Email égale accolade email. OK. Et là, les abonnés, quand ils vont recevoir cet email, il y aura ce lien. À la fin, il y aura marqué email égale et leur propre adresse email. Et le fait qu'il y ait email égale dans l'URL, ça fait que sur la page de capture, ça c'est quelque chose qui fonctionne avec toutes les pages de capture sur System.io, y compris les vôtres. Le fait qu'il y ait ça dans l'URL, ça va pré-remplir avec ce qu'il y a après le égal. Et donc dans ce cas-là, ça sera leur adresse email, ce qui fait qu'ils arriveront, l'adresse email est déjà remplie, le bouton, ils cliquent, hop, ils sont dans la liste email d'Aurélien et ils reçoivent par email ou sur la page merci, je crois que c'est par email, ils reçoivent l'accès à la formation gratuite. Donc voilà la façon pour leur permettre de rentrer une seule fois l'adresse email.
Bye bye.